Je terminais les dernières fois sur les deux, notamment les deux premières séances de séminaire, dont le titre est un peu étrange, Vie de psychanalyste ténor, par la référence à quelque chose, évidemment, qui ne va pas de soi du tout, puisque c'est le nouage de, on va dire, de la mort et de la vie. Ce que, bien sûr, Freud appelle la pulsion de vie et la pulsion de mort, mais on entend très mal ça. On les oppose. On est toujours dans l'opposition, finalement, dans le fait qu'on a besoin, là, du fait de cette prégnance, du fait de cette pression cartésienne, là, cet espace cartésien, là. On a besoin, effectivement, de penser comme ça en opposant. Hein, c'est-à-dire sur un mode sur un mode binaire d'une certaine manière. Bon. Et dès qu'on parle de nouage, évidemment, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que le nouage, c'est justement ce qui n'accepte pas, ce qui laisse tomber cette dimension de l'opposition. Alors je vais repartir là-dessus, et ce que je vais essayer de dire là, c'est que c'est ça, on en a en quelque sorte l'épreuve, la preuve, bien sûr, dans la cure analytique, hein, bon, mais aussi dans l'opéra. Je vais prendre un opéra que vous connaissez sans doute, d'Harold Schoenberg, le dernier, ce qu'il a fait juste avant de quitter, avec raison, ce qui allait arriver du fait de la dictature d'Hitler, avant de quitter Vienne. Le dernier qu'il a fait, c'est donc Moïse et Aaron. Et en fin d'année 1932, à Barcelone, sur la voie de ce qu'on appellera son exil, mais qui est peut-être pas si exil que ça, finalement, hein, sur la voie de quelque chose, d'un devenir. Il va, comme ça, en quelque sorte, être envahi par quelque chose. Alors, bien sûr, on a dit que cet opéra, Moïse Aaron, bien sûr, il n'était pas terminé. Pourquoi? Ben parce qu'il s'arrête sur le fait que ben, ce n'est pas tout à fait évident. Ça dépasse même l'évidence, et voilà l'évidence, c'est le vide, il apparaît là, le vide, hein, la vie du vide, hein, c'est dans les mots ce que je dis là, dans l'évidence, c'est-à-dire il a en quelque sorte celui qui va donner, on va dire, l'histoire avec un grand H, bien sûr, de ce qu'est cette dimension du vivant. Pas du survivant. Ou alors le sur en question, j'en ai parlé la dernière fois, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on appelle habituellement le vivant. Parce que finalement, le vivant, ce qu'on appelle habituellement le vivant, c'est plutôt celui qui est endormi, hein, en quelque sorte. Même s'il gesticule, c'est pas le problème. Le vivant, c'est quelque chose qui se passe dans le fait d'être animé par quelque chose, quelque chose d'intérieur. Eh bien, à la fin, ce qui a constitué la fin, mais comme le dit la langue française, la fin, c'est aussi le but, hein. C'est pas uniquement la terminaison, c'est compliqué, là. Et c'est intéressant, la polysémie, hein. Eh bien, justement, ce qui est important, c'est le fait que quelque chose va tout d'un coup envahir Harold Schoenberg. Là, Schoenberg, vous savez, hein, c'est celui qui a introduit, qui a introduit quoi? Ben, la musique à 12 tons. Et c'est quoi? Ben, c'est la dissonance. La valeur de la dissonance. Et dans cet opéra, on pourrait dire que finalement, Aaron, la belle image, hein, celui que Moïse va longtemps considérer comme un matu-vu, là. Eh bien, Aaron, c'est la consonance. Et Dieu sait si on aime la consonance, si on aime les images. Je disais l'autre jour que il semble bien, mais il n'y a pas à s'en étonner, c'est normal. Il semble bien que l'opéra soit nouveau gagné beaucoup plus par ce qu'on y voit que ce qui peut s'entendre, non pas s'écouter. On écoute, on n'entend pas grand-chose. Pour pouvoir entendre, il faut, comme le dit Freud, avoir une attention flottante. Donc il ne faut pas être pris par l'histoire. C'est ça la musique.
Et j'ai déjà évoqué ça dans tout ce débat-là, que, au niveau du christianisme, entre la psalmodie, le sens de la psalmodie, et puis, eh ben oui, ce qui va révolutionner, mais il faut faire très attention, hein, les hymnes, hein, avec bien sûr quelques-uns qui vont oser, bien sûr, ces hymnes-là, Ambroise, à Milan, Ambroglio, hein, vous allez vers la Scala, vous allez tomber là-dessus, hein. Cathédrale, bon, le mur, le dôme, justement, hein, mais Duomo, bon, je reviens un petit peu là, à cette histoire-là, de psalmodie et d'hymne, parce que, en plus, évidemment, les hymnes dont il s'agit là, ben c'est dans la langue française, dans la langue, c'est du féminin. Alors que l'hymne national, c'est masculin. Mais ce n'est pas le féminin au sens où on le considère habituellement, là, au sens de l'apparence des caractères sexuels secondaires, hein, sous la bannière femme ou bannière homme. Le féminin en question, c'est une certaine façon d'entendre. C'est autre chose. Alors, je voudrais prolonger donc ce soir cette question du nouage, et non pas du conflit, entre la psalmodie, qui apparaît historiquement entre la psalmodie et les hymnes, hein, par ce qui apparaît là en 1932, hein, à la fin du deuxième acte de cet opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron, lorsque Moïse, bien sûr c'est Schoenberg évidemment, hein, Moïse est saisi par un certain doute, c'est ça quelque part, qui permet le nouage, hein, dubito ergo sum, hein, dit Descartes. Hein. Un doute, mais c'est, un doute, c'est pas non plus le fait de se raccrocher à une croyance, malgré tout. Hein. C'est autre chose. Hein. Lorsque il l'exprime à sa façon, au Wort, das mir fällt, c'est de l'allemand, au Dieu, au mot, pardon, oui, je fais un lapsus, au mot, Das mir fällt, toi, qui me manque. Il interpelle le mot sur un mode divin, c'est ça mon lapsus, hein, sur un mode de diva, en quelque sorte, de divan, hein, sur un mode divin, et de ce manque, de cette demande, en quelque sorte, cette demande d'amour, qu'il reçoit à ce moment-là, qui vient vers lui, hein, la musique vient vers lui, en quelque sorte, eh bien, tout va changer, c'est-à-dire que, bien sûr, Aaron n'est plus du tout la référence. Hein. Voilà un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Hein. À ce moment-là, il peut dire, évidemment, toutes sortes de choses. Hein. Après, il y a un non fa dièse solitaire qui est joué aux cordes en point d'orgue, qui fait entendre, eh bien, quoi ? Qui fait entendre justement que, enfin, il y a eu un nouage, et plus rien n'est comme avant. Et c'est le pouvoir procréateur du son qui apparaît là, ce 10 mars 1932 à Barcelone. C'est la scène de l'opéra qui apparaît. C'est la scène qui noue la rencontre, la vie du psychanalyste et du ténor. Alors, on pourra dire, bien sûr, avec Lacan, que c'est le jaillissement, le surgissement du réel, hein, bien sûr, et que c'est du réveil aussi. Hein. On pourra évoquer, bien sûr, Baudelaire, hein. Les couleurs, les sons se répondent. On pourra évoquer le poème de Rimbaud, voyelle. Et je crois que c'est ça, effectivement, qui est en jeu. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui est en jeu ? Ben, c'est bien sûr une apparition. Hein, une apparition. Mais c'est l'apparition de quoi ? C'est pas l'apparition de la Vierge Marie. Hein. Bah oui. C'est l'apparition de l'inespéré,
bien, c'est ça, de la mort du sens, de l'image que représentait Aaron, à ce moment-là, pour Moïse, à ce moment-là, c'est l'apparition de l'Esprit, c'est-à-dire du vivant, de la vie. De la vie, alors voilà un peu comment c'est dit. Dieu irreprésentable, idée inexprimable et multiple. Permets-tu cette interprétation? Aaron, ma bouche, a-t-il le droit de former cette image? Ainsi, je me suis fait une image fausse, comme toutes les images qu'elle livrait. Ainsi je suis vaincu, ainsi tout ce que j'ai pensé n'était que folie, et ne peut ni ne doit être dit. C'est un peu excessif, hein, parce que de toute manière, ça peut toujours être dit, mais le dit, justement, l'intérêt du dit, c'est de permettre ce moment particulier, ce moment spécial, particulier, singulier, de jaillissement du sujet de l'inconscient, de l'artiste qui arrache au sens. Alors vous voyez que ce que j'évoquais là, tout ce qu'on peut raconter là sur l'œil, l'œil du deuil là, l'œil du deuil, là. Et puis les spectres là, c'est quelque chose d'assez hypnotisant finalement. Et puis on en veut, hein. Mais la question qui ne peut pas être posée, hein, ben c'est celle du doute, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait advenir? Parce qu'on ne peut la poser qu'après, après coup. Qu'est-ce qui pourrait advenir, justement, c'est-à-dire pas du tout selon la justice, mais selon la justesse qui serait au point, comme le dit le français, juste, c'est juste, peu s'en fallut qu'il ne n'apparaisse pas. C'est juste, c'est quelque chose qui est entendu ou pas. C'est comme tout d'un coup un lapsus qui est pris pour un mot d'esprit, parce que dans la modulation de la voix, il y a autre chose, parce que qu'est-ce que c'est que la voix? Finalement, hein, si on sort un peu de l'enregistrement là, mécanique, et même avec les appareils les plus perfectionnés, la voix elle est quoi, dans le corps humain? Bien sûr, tous les instruments de musique finalement sont une instrumentalisation, un prolongement de la voix humaine. Et alors, Ça pose des vraies questions, parce que comme je l'ai déjà évoqué, bah oui, après tout, c'est pas si évident que ça. Mais se frotter comme ça au divin, pour dire que le divin c'est ce qui permet de trouver quelque chose d'autre que l'idéalisation. Que l'idée, comme vient de dire Moïse, là, hein, idée, hein, parce que irreprésentable, idée inexprimable. Je me suis fait une image fausse, comme toutes les images. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est faux? On peut dire que c'est pas vrai, fausse, un petit peu. Parce que dès qu'on met faux, évidemment, on oppose à vrai, donc on retrouve dans ce que je disais tout à l'heure. La question, l'image, c'est l'eidos, hein, en grec. Hein, l'eidos, hein, l'eidos. Ben, il y a l'idole qui rapplique à toute vitesse, là. Hein. Ah oui. Il ne suffit pas de mettre un commandement comme ça, tu n'en retourneras pas des idoles. Hein. Tu ne feras pas d'idoles. Hein. La preuve. Cassé comme ça, l'étape de la loi quand on redescend d'une certaine rencontre là, hein, justement avec Dieu, hein, c'est quand même autre chose. Et bien voilà. Et bien ce que je voudrais essayer de transmettre là, une nouvelle fois, avec beaucoup de difficultés, parce que ça peut pas se transmettre comme ça, cette affaire-là, ça peut se trouver. Hein. Ça peut se trouver dans ce trou de quoi? Du vide de la vie. Ce qui peut se trouver, c'est finalement que c'est quoi? C'est que c'est pas du tout ce qu'on a pensé. Et que la pensée, eh ben, elle quoi? La pensée, elle permet de faire beaucoup de choses.
faire des logiciels, par exemple. Mais l'intelligence artificielle, sans doute. Oui. Artificielle. Artifice, c'est pas tellement artistique, artifice. Hein. C'est ce qui fait semblant de. Hein. Ouais. Eh bien, la pensée, justement, ce que peut donner, si on peut le recevoir, parce que c'est facile, évidemment de ne pas recevoir, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de refuser. On n'arrête pas de refuser parce que la pensée, évidemment, c'est la censure. Ah, bien sûr. Donc évidemment, bah, à ce moment-là, bah, voilà quoi. Or, quand on chante, là, c'est peut-être plus pareil. On peut faire ça assez facilement sur un divan, justement. Parce que finalement, on passe beaucoup de temps là-dessus. On dit, on se dédie, on reprend là, on se dit, on fait des dénégations, tout ça. Mais il n'y a pas de dénégation sans une affirmation. Qui la précède? Mais il y a un truc quand même. J'ai essayé de vous parler un petit peu de ça, c'est pas évident quand on. Si vous n'en avez pas l'expérience. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Bon. Hein. J'ai bien aimé là, Philippe Bouvard, il y a peu de temps, là, qui parlait de son bouquin, là, qui disait qu'il essayait de parler dans son livre de ce dont il avait l'expérience. Tout le reste, ben, c'est du blabla. Bon, il ne le dit pas comme ça, mais ça veut rien dire ça. C'est du blabla, hein, tout le reste. Hein. Son livre, là, je vais vous montrer un peu sa couverture. Là. Philippe Bouvard, là. Mes dernières pensées sont pour vous. Voilà, ben, ça fait bien dans le séminaire. Là. Ben, il sera content. Je poursuis tout aussi, s'il aura bien l'occasion de le voir. Mais bon, enfin, il sera content. Bon, voilà. Hein. Voilà. Bon, il lui dit le souhait de divertir et de donner à penser au lecteur. Ben, moi, je crois que c'est même pas donner à penser. C'est au-delà. Il y a autre chose que... Ou alors un autre, là, que j'ai là sur mon piano. Bon, un autre, là, qui est... Hop, après, c'est peut-être pas la peine de trop en donner, là. Mais après, de toute façon, il y en a un autre, là. Bon, allez, les gens peut-être en génération. Hein. Bon, mais on va pas trop faire, je vais pas trop jouer alors comme ça, celui qui disait c'était mieux avant, hein, parce que c'est toujours un peu comme ça. Bon, alors je reviens un petit peu à ce qui nous embête là, à savoir cette histoire du nouveau, parce que c'est de ça dont on parle, hein, ce qui peut arriver de nouveau, c'est-à-dire ce qui fait qu'à un moment, la répétition, ce que l'on appelle bien sûr le changement, évidemment, hein, ah oui, le changement, ça c'est évident, hein, le changement, hein. Il a changé, il n'a pas changé du tout, il fait toujours la même chose. Bon. Mais il le présente autrement, c'est tout. Il croit. Voilà la pensée. La croyance. Il croit qu'il a changé. Et comme ça, à la fin de la vie, il peut se rendre compte que finalement, eh ben, de la vie à la mort, eh ben, ça a été finalement une. C'est pas une trajectoire. Hein. C'est quoi? Ben, c'est une ligne droite. Oh, il y a peut-être eu des petits moments, etc. Mais ce qui peut permettre que justement quelque chose. Alors là, je dois dire, ça c'est quand même une énigme, hein. Même si la musique peut l'apporter, je suppose, donc je m'avance beaucoup là, je suppose que ça ne peut apparaître que dans le cadre de ce qu'on appelle l'expérience de discours, en quoi consiste la psychanalyse. J'insiste bien, l'expérience, c'est pas la pensée. La pensée, c'est pas l'expérience. On pense après que quelque chose de nouveau est arrivé. Nous est arrivé. Et auquel on a osé dire oui, sans penser, sans le savoir. La musique qui nous dit, en toi, je suis chez moi. Oui, en moi, tu es chez toi. Voilà le oui du joui. Et ça, alors là, pour arriver à le faire passer dans le corps, parce que tout ça, ça se passe dans le corps, ça se passe pas dans la pensée. Alors que c'est quoi le corps? Ben, j'ai essayé de l'intituler. Moi, j'ai appelé ça le corps lyrique. J'ai appelé ça le corps lyrique parce que, bien sûr, le corps anatomique, je sais, j'ai appris ça là. Il y a pas mal d'années, là, parce que j'ai fait médecine. Avant, j'aurais appris un petit peu le corps psychologique, puisque j'ai fait psycho, hein. Et puis tout ça, bah, évidemment, tout ça, ça a été remis en cause. Hein. Bah, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire, je reprends les termes, ça veut dire que ça n'est pas, c'est de l'ordre de l'être. Hein. Mais ce n'est pas de l'ordre de l'existence. Ce qui intéresse, c'est l'existence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de la dimension de l'être. Hein.
de naître, de l'être. Mais que le vivant, c'est-à-dire l'insaisissable, c'est quelque chose qui survient, qui surgit, qui vient à notre rencontre. Soudainement, un jour, par hasard, une rencontre, c'est par hasard, un jour, sans penser, après, si elle a lieu, comme Moïse dans l'opéra de Schoenberg, après, il pourra être dit, il pourra être dit, peu s'en fallu qu'elle n'a pas lieu. Peu s'en fallu, c'est une faille, c'est la faille du fallu. C'est pas le phallus, hein. C'est la faille du fallu. Ou alors c'est le phallus symbolique, hein. Le phallus signifiant, comme on dit avec Lacan. C'est pas le pénis, ça n'a rien avec ça, évidemment. Peu s'en fallu, qu'il ne défaille. Qu'est-ce que c'est que cette troisième personne? Hein? Énigme. Énigme. Eh bien, et je vais bientôt m'arrêter là-dessus, parce que finalement, on se rend compte que, qu'on ne peut que tourner autour, finalement, bien sûr. Mais c'est important, parce que comme ça, en tournant autour, on peut comme ça se rendre compte, bah, d'une part, qu'avant, on se trompait, c'est la première des choses, hein. Bon. Et puis que, on ne peut pas tellement. Je disais tout à l'heure, là, finalement, dans le transfert, au niveau d'une analyse, sur le divan, finalement, l'important, c'est... Bah oui, c'est la tromperie, quoi, comme dit Lacan. L'important, c'est découvrir que la vérité, bah, c'est la vérité de la tromperie. C'est pas la vérité opposée à la fausseté, hein, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Tu te rends compte, bah oui, quand je ne savais pas que je me trompais, quand je pensais ça, en quelque sorte, quand je disais ça. Alors quand on chante, bon, on peut se poser une question quand même, mais je vais quand même revenir un peu là-dessus, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Hein. J'ai commencé à chanter très tard, à l'âge où les chanteurs, justement, les grands chanteurs, hein, ne chantent plus. Hein. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on est autorisé, comme on dit? Si on est autorisé, on est autorisé de quoi? Est-ce qu'on est autorisé à toucher à ça? Et parce qu'il importe que le corps il participe à cette affaire. C'est pas la communion, hein. C'est pas le corps du Christ comme ça qui est incorporé, hein. Il y a autre chose, hein. C'est pas de l'incorporation d'une substance, hein. La voix est autre chose que la substance qui s'entend, hein. C'est quelque chose qui a à voir avec la voix, bien sûr. Et quand on chante, il y a quelque chose quand même qu'il faut arriver à... Et il faut, mais c'est pas le musen allemand, c'est le solen, hein. C'est pas une obligation comme ça, hein. Une nécessité. Hein. Sans elle, le corps anatomique, finalement, il est bien nécessaire qu'il soit là, mais il n'est pas suffisant. Vous savez, ces fameux trucs qu'on traîne là, comme ça, quand on fait ces humanités, comme on dit. Il y a ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant. Il faut le nécessaire, ce qui ne cesse pas. Il faut que ce qui ne cesse pas cesse. Et alors là, on arrive au possible. Possible, c'est-à-dire à ce nouage. Eh bien, il y a quelque chose d'assez énigmatique là, quand on apprend. Il faut la créer quand même, là. La voix lyrique, le corps lyrique. Là. Il n'est pas donné comme ça, hein. Moi, je peux d'autant plus en parler que j'ai une voix quand même, une voix forte, ronde, ténor dramatique, comme je le rappelais dans une voix que finalement, effectivement, il n'y a quasiment plus. Hein. Alors, il le dit avec prudence, hein, il ne dit pas qu'il n'y a plus de ténor dramatique, il dit que la dimension dramatique disparaît comme ça. Hein. Comme ça, on ne froisse personne. Hein. Enfin, ça revient un peu à dire ça. Hein. Et ben, ils sont plus exposés que les autres. Pourquoi? Et pourtant, Franco Corelli, j'apprécie beaucoup, et ben vous savez que mon Coccorelli, justement, lui, qui avait une peur d'entrer sur scène, bien sûr, mais qui a dû s'arrêter, parce qu'il ne mangeait plus, il ne dormait plus. J'ai déjà évoqué ça. Eh bien, justement, Franco Corelli, il n'a pas arrêté
parce qu'il ne pouvait plus chanter. Il a beaucoup chanté avec Maria Callas, mais c'est pas la fin de vie de Rocco Corelli, c'est pas la fin de vie de Maria Callas. Il y a la question de ce qu'on appelle, nous, comme ça, avec des mots, la légitimité, mais c'est pas une histoire de loi non plus, c'est une loi autre chose, c'est le langage, hein, c'est le féminin dont je parlais tout à l'heure, qui est dans la langue, et non pas dans les caractères sexuels secondaires, même les primaires. Ils sont les secondaires, ils sont secondaires aux primaires, hein, évidemment, hein, on ne peut pas être secondaire sans qu'il y ait un primaire, mais c'est pas de ça. Quelque chose est lié au fait d'entendre, hein. Comme dit Lacan, une femme, oh, qu'est-ce qu'on a, on s'est trompé, là, qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on est parti dans la femme n'existe pas, hein. Mais bien sûr, la femme, elle est, elle n'existe pas, elle est dans l'être. Bon. Une femme, ça peut se produire. Eh bien, c'est ça. Alors, toute cette dimension-là, évidemment, si on sort de tout ce qu'on a dans la tête, dans la pensée, sur une femme, etc., sur le « un » en question, là, hein, parce que c'est ça, le « un » féminin, là, c'est quelque chose qui... qu'il faut, parce que il y a quelque chose qui doit cesser. Parce que quand on a appris comme ça à parler, hein, parce qu'on s'est mis à parler quand on s'est mis à penser, hein, d'une certaine manière. Hein. Mais avant, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait autre chose, il y avait une respiration autre, il y avait un fonctionnement du corps autre, il y avait ben justement respirer avec son ventre, hein, comme les animaux. Ben, c'est ça qu'il faut, qu'on apprend. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait bien sûr une certaine technique, on va dire, tout à fait intéressante. C'est la nécessité, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une dimension, je dirais psychique, faute de pouvoir mieux dire. Ce n'est pas intellectuel. Hein, pour pouvoir accepter de quoi? De dire. C'est un dire. Quelque chose là, comme le dit Moïse. Ô Wort, das mir fehlt, toi qui me manques, ô mot. Puisque quand on va chanter dans les aigus, c'est ça, on va sortir du sens, complètement. Tout va se passer dans le corps, et ça se passe tout seul. Il faut arriver à respirer autrement. C'est-à-dire que tout est lié à la fois au fait que la compression nécessaire, elle est liée au maintien de l'expiration. Quasiment, on dit vomitare la voce, bien sûr, vomir, mais il faut aller jusqu'au bout de l'expiration. Hein, voilà. Mais c'est quoi l'expiration, enfin, ben, c'est ce qu'on appelle la mort. Au bout de l'expiration, pour que, hop, on inspire rapidement et on remet ça. On pourrait dire que dans le chant lyrique, en permanence se joue la dimension de l'articulation, de la fin de l'expiration, que j'appellerai comme ça ce soir un peu rapidement la rencontre avec la mort. Et puis, le redémarrage, d'où vient cette rencontre, c'est-à-dire la dimension de la vie. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir.